Dites-le avec conviction. 26 septembre 2021. Je déclare que je choisis la foi plutôt que la peur. Je médite sur ce qui est positif et ce qui est bon dans ma situation. J'utilise mon énergie, non pas pour m'inquiéter, mais pour croire. La peur ne fait pas partie de ma vie. Je ne reste pas sur des pensées négatives et décourageantes. Mon esprit est fixé sur ce que Dieu dit de moi. Je sais que sa pensée pour moi est celle du succès, de la victoire et de l'abondance. C'est ma déclaration. Confession divine de santé. Je refuse d'observer ou de reconnaître les vanités mensongères. Je n'accepte rien de ce que je vois avec mes yeux physiques qui ne soit pas cohérent avec la parole éternelle de Dieu. Pour ma vie, ma santé et mon bien-être, je ne crois que ce que la parole dit de moi et je continue à le dire. Amen. J'ai ce que je dis au nom de Jésus. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis béni. Je suis puissant. Je suis oint. Je suis libre. Je suis l'aimé de Dieu. Je suis favorisé par Dieu et l'humanité. Je parle ce que je veux voir, non ce que je vois. Je suis une précieuse semence. Je suis sur une bonne terre, dans la maison de mon Dieu. Je m'épanouis comme le palmier dans les cours de mon Seigneur. Je porte des fruits abondants en sa saison. Je suis rempli de sève et je grandis dans le Seigneur. Et même dans la vieillesse, je serai frais et florissant. Ma feuille ne tombe pas et tout ce que je fais prospère au nom de Jésus. Les choses marchent toujours pour moi, au nom de Jésus. Je suis le receveur de chaque bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Je suis un esprit. Mon esprit a une âme. Mon esprit et mon âme vivent dans un corps physique. Mon esprit commande mon âme. Mon âme écoute, reçoit et donne des instructions à mon corps et mon corps obéit. Au nom de Jésus, je parle à mon corps. La vie indestructible de Dieu est évidente et s'exprime toujours dans ma vie. J'exprime la vie à chaque détail de mon corps. Je parle à mon esprit, sois parfait comme l'esprit du Christ, et je te commande d'être aligné par la parole de l'Éternel. Je parle vie à mes tendons et mes nerfs. Je parle force à mes muscles et à mes ligaments. Je parle vitalité à mon cœur. Je parle à mes poumons et à mes tissus pour maintenir un taux de ventilation et de perfusion normal. Je parle perfection à mes reins, mon foie et mon pancréas. Il y a de la vie dans chaque cellule de mon sang. Mes os, mes articulations et les cartilages sont alignés, forts et fermes. Mes doigts fonctionnent parfaitement. Mes yeux voient clairement et parfaitement, et mes oreilles fonctionnent de manière optimale, excellemment. Ma peau est lisse, saine comme celle d'un nouveau-né, et la beauté de Dieu. Mes follicules pileux se sont serrés. J'ordonne à mes cheveux de rester en place, et là où la croissance est nécessaire, je libère l'accroissement dans mes follicules. Mes dents, mes gencives, les os de ma mâchoire, les nerfs et l'approvisionnement en sang sont tous sains, forts et parfaits. Toutes mes hormones et tous les transmetteurs neurochimiques sont en parfaite harmonie les uns avec les autres et exécutent leurs fonctions normalement. Mon système digestif est capable de digérer, absorber et assimiler tous les aliments ingérés. Et les déchets métaboliques sont excrétés régulièrement. Mon système reproductif produit et dépose des spermatozoïdes en quantité suffisante
et de bonne mobilité. Mon système productif produit des ovules en temps voulu, protégeant et nourrissant le fœtus jusqu'à la naissance. Chaque organe, chaque tissu de mon corps fonctionne dans la perfection à laquelle Dieu l'a créé, pour qu'il fonctionne. Et j'empêche tout dysfonctionnement et malfonction dans mon corps, au nom de Jésus. Toute mon anatomie et physiologie humaine est perfectionnée dans la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu le Père m'aime. Je le sais, je le sais. Dieu le Fils m'aime. Je le sais, je le sais. Dieu l'Esprit m'aime. Je le sais, je le sais.